les vieux, les jeunes. Ce qui est sympa, c'est que tout le monde a réagi par rapport au truc. Et ça, ça fait plaisir, franchement. Les gens, même ceux qui n'aiment pas ça, qui n'aiment pas la sculpture, ou l'art moderne, ou l'art ancien, les gens, ils sont pas... Au fil du temps, en fait, hein, ça, c'est... Mais bon, des fois, tu pars sur une idée, tu veux faire un truc, et tu arrives difficilement à l'idée voulue. Parce que bah, tu n'as pas forcément les moyens physiques ou mécaniques ou cocasses de le faire. Des fois, tu as des belles pièces, tu les regardes sous un angle différent, elles sont moches ou pas évocatrices, tu les décales d'un quart de tour ou quelque chose, et après, tu as des choses qui sont carrément plus intéressantes. C'est le côté statique qu'on disait tout à l'heure. En fait, par exemple, déjà, quand d'un coup, on avait fait une expo là, dans du brouillard, et bien en fait, avec le brouillard, déjà, tu avais encore une sensation différente. Tu ne savais pas si c'est des gens qui étaient en train de bouger, si c'est des gens cachés ou semi-statiques. Mmh. Tu vois, tu as des petites variantes comme ça, mais après, c'est le fruit de l'imaginaire. Parcours, c'est une promenade en vélo le long des poubelles métalliques. Une promenade en vélo à Montargis. En fait, il y avait des poubelles d'une usine avec des beaux copeaux métalliques, avec des bourrelets bleutés. Et tu sais, ça m'a tapé dans l'œil. Je me suis dit, putain, c'est beau ça, c'est les bourrelets d'usinage, là, tu sais, des bourrelets tout neufs. J'ai dit, allez, hop, tiens, j'avais un sac à dos. J'ai dit, j'en prends un truc et puis je me ferai une espèce de bonhomme avec des cheveux frisés. Et c'est parti de là le truc. En fait, t'arrives à te faire plaisir avec un truc qui est mort, quoi. Ça, c'est cool.